Une enquête a été ouverte pour fait de tentative d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'auteur de l'agression a été immédiatement appréhendé par les services de sécurité au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions suivisées. Son état de santé s'est dégradé. Admis au CHU Gabriel Touré puis au CHU du Point-G, il est malheureusement décédé. Et une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête déjà en cours au niveau du parquet de la commune 2, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. L'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites des investigations.